Méditation du 19 juin. Extase de vos yeux. Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. 1 Corinthiens 2, le verset 9 dans la version Bible en français courant. Montée dans l'autobus 599, ma sœur jumelle et moi nous parcourions Grasmere dans le Lake District. Cette région d'Angleterre nous rappelait notre chère patrie. La Patagonie, avec ses lacs et ses montagnes si beaux que nous en avions mal aux yeux de les écarquiller. L'autobus a tourné à gauche pour prendre l'autoroute 591 et a dévoilé le lac Riddle. Comme si le rideau d'un théâtre s'était soudain levé, ma sœur, un groupe de touristes asiatiques et moi avons poussé une exclamation à l'unisson. Waouh ! Contempler une telle beauté nous coupait la parole. Les yeux brillants d'émerveillement, nous avons collé notre nez à la vitre pour ne pas en perdre une miette. Ma sœur et moi avons décidé de descendre à l'arrêt suivant et de longer le lac. Pendant 2 heures, nous n'avons vu que des moutons en train de paître et le reflet des montagnes et du ciel dans le lac. Nous sommes retournés à l'hôtel, les yeux gavés de beauté. Je me suis assise pour écrire et je me suis demandé comment traduire cette expérience par des mots. Et je me suis souvenue d'un vers d'Amado Nervo qu'enfant j'avais appris par cœur, tiré de El Arquero Divino, l'arche divin. Extase de tes yeux, tous les printemps passés et futurs du monde diront que tu m'aimes. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Mes yeux étaient remplis de tant de beauté. La science commence à découvrir les effets de l'émerveillement sur notre cerveau et dans notre vie. Même si ce qu'on appelle la science de l'émerveillement n'a que 15 ans d'expérience, nous savons déjà que les expériences qui nous coupent le souffle et nous laissent bouche bée aident à réduire notre stress, à penser de manière rationnelle et nous rendent plus humbles et généreux. Face à une montagne majestueuse, à un ciel constellé d'étoiles ou à un océan impétueux, nous nous souvenons de notre finitude et de l'immensité de l'univers. Mais rien de ceci n'est comparable à la beauté et à l'émerveillement que le ciel a en réserve. La Bible dit « Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. » 1 Corinthiens 2, le verset 9 dans la version Bible en français courant. L'auteur de l'émerveillement a des ressources infinies et une créativité inconcevable pour nous enchanter éternellement. L'artiste le plus prolifique veut passer l'éternité à partager sa beauté avec vous. Quel amour ! Assez pour remplir l'éternité d'émerveillement jusqu'à déborder. Prière : Seigneur, merci pour la beauté qui nous environne et nous remplit d'émerveillement, même si ce n'est que le pâle reflet de ta gloire à venir. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.